En de rel rond Zola Matumona is nog niet voorbij. Want morgen maandag komt Alfred Raoul naar Brussel om er Johan Vermeers te ontmoeten. Raoul is de zakelijk manager van Zola en niet gediend. Met de hele hijsa rond de Congolese sterspeler. Zakelijk manager Alfred Raoul, hier op Archiefbeeld met Vermeers, komt dus maandag naar Brussel. Hij wil de zaak rechtstreeks uitklaren met FC Brussels baas Vermeers. Hij geeft daarmee aan dat niet alleen de Brusselse advocaat Laurent Denis recht van spreken heeft. J'ai toujours parlé du joueur avec monsieur Vermeers, avec son agent depuis que le joueur est arrivé en Belgique et depuis l'Égypte. Donc aujourd'hui qu'un avocat vienne et dise voilà, je suis le seul habilité à pouvoir parler, c'est un peu fort de café. Ben s'il est le seul habilité à pouvoir parler, ben voilà, qui parle. Mais attention, le dossier va maintenant sur un terrain juridique et au détriment du joueur. Voor Raoul is de hele zaak een storm in een glas water, een opgeklopte zaak en zou sterspeler Zola Matumona beter moeten weten. Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de vouloir rompre un contrat sous prétexte que un dirigeant ait eu des propos que nous condamnons fermement, mais qui commencent à être mal interprétés. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il n'y a pas de quoi en faire tout un tintamarre. Donc il n'y avait pas lieu de rompre le contrat tout de suite? Non, il n'y avait vraiment pas lieu de rompre le contrat. Il y a des gens qui se sont greffés dans la brèche parce qu'ils sont en manque de notoriété et qui veulent effectivement rejaillir tels des grands vaillants chevaliers blancs. Non, j'ai horreur de ça. Intussen heeft Johan Vermeers op een persconferentie zaterdag zijn excuses aangeboden. Mocht het zijn dat er een gemeenschap zich aangesproken voelt door die reflectie van racisme, waar ik misschien de aanleiding heb toegegeven, dan deel ik en herhaal ik graag de woorden van mijn websiteverhaal dat ik mijn excuses aan die ganse gemeenschap aanbied.